À partir de 1420, le duc de Lorraine, Charles II, devient le régent du duché de Bar. En attendant que l'héritier René d'Anjou atteigne la majorité pour gouverner, car celui-ci n'a alors que 10 ans. Depuis l'assassinat de Jean sans Peur, le duc de Lorraine a adopté la neutralité vis-à-vis de la couronne française et des Anglo-Bourguignons. Don Rémy, placé entre la Lorraine et le duché de Bar, était donc jusque-là relativement épargné. Mais les Anglo-Bourguignons se faisant de plus en plus agressifs, le duc de Lorraine se rapproche finalement de Charles VII. Des capitaines renommés, partisans du roi de France, Jean Roualet et Étienne de Vignolles, dit La Hire, viennent soutenir le duc de Lorraine contre les agressions des Anglo-Bourguignons en s'installant à Vitry. Mais en 1422, sous la pression et sans doute par facilité, Charles II se range finalement du côté des Anglo-Bourguignons. Jean Roualet et La Hire ne supportent pas cette trahison. En réponse, ils font alors installer des postes avancés pour protéger Saint-Dizier et empêcher les passages de l'ennemi. Et de ces avant-postes, ils font brûler plusieurs villages. Puis, ils se retranchent à Sermaiz. Sermaiz est alors attaqué en avril 1423 par Jean, le comte de Salmes, et gouverneur général du Barrois. Après une résistance de 3 semaines, la ville est prise. Et au cours de ce siège, Jean de Vouton, le mari d'une cousine germaine de Jeanne, est tué. Le quotidien des habitants de la région est ainsi bouleversé. Les familles perdent des proches et les sentiments d'injustice progressent. L'insécurité provoque des déplacements de population qui fuient les pillages et les conflits militaires. À Don Rémy, face à toutes ces violences, il faut sécuriser les biens. Et à la demande de Jacques d'Arc, au seigneur de Bourlémont, les habitants de Don Rémy se sont arrangés pour louer le château de Lille afin d'y protéger le bétail en cas d'attaque. Les habitants de Don Rémy sont même obligés de payer un tribut au seigneur de Commercy et de Montmirail pour gagner sa protection. On entend encore des nouvelles concernant la guerre ailleurs en France. Charles VII tente quelques offensives. Il commence par faire assiéger Cravant au mois de juillet 1423 avec 15 000 hommes, dont un bon nombre d'Écossais. Mais les Anglo-Bourguignons viennent à la rescousse avec une armée pour repousser les Français qui perdent plus de 6 000 hommes le 30 juillet. Cette terrible défaite provoque la joie dans les rues de Paris. Malheureusement, la chevalerie française est encore écrasée par les archers anglais lors d'une autre bataille le 17 août 1424. À Verneuil-sur-Avre. Charles VII, après la défaite de Verneuil, n'ose plus agir. Les deux camps se font face sans bouger, chacun d'un côté de la Loire. Mais les Anglais décident alors d'assiéger le Mont-Saint-Michel à partir du 28 septembre 1424. La Normandie étant une région qui n'avait pas encore totalement prise, car le Mont-Saint-Michel est resté fidèle au dauphin. Pendant ce temps, dans la région de Jeanne, les pillards continuent de sévir et malgré le tribut des habitants de Don Rémy pour leur protection, cela n'empêche pas les bandits de profiter de cette période trouble. Si bien que les bêtes appartenant à Don Rémy et Greux sont prises en juillet 1425 par Henri d'Orly, un routier qui fait des razzias. Mais finalement, les hommes du comté de Vaudemont arrivent à les récupérer sous l'insistance de Jeanne de Joinville. C'est cette même année où l'insécurité règne que se déroule pour la première fois un événement extraordinaire dans la vie de Jeanne. J'avais 13 ans quand j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me bien conduire. La première fois, j'eus grand peur. Cette voix vint sur l'heure de midi, pendant l'été, dans le jardin de mon père. Jeanne, tu es destinée à un genre de vie tout différent. Tu dois accomplir des actes merveilleux. Car tu es celle que le roi du ciel a choisie pour le relèvement du royaume des Francs, pour le secours et la défense du roi Charles, expulsé de son domaine. Tu revêtiras un habit d'homme, tu porteras les armes, tu seras chef de guerre. Tout sera régi par ton conseil. J'étais à jeun, je n'avais pas jeûné la veille. J'ai entendu cette voix à droite, du côté de l'église, et rarement elle est venue à moi sans être accompagnée d'une grande clarté. Cette clarté vient du même côté que la voix.
Quand je vins en France, j'entendais souvent la voix. Si j'étais dans un bois, j'entendais bien ces voix venir. Il me semble que c'était une bien noble voix, et je crois qu'elle m'était envoyée de la part de Dieu. À la troisième fois que je l'entendis, je reconnus que c'était la voix d'un ange. Jeanne, bien instruite des vérités de la foi catholique, est certaine que l'ange qui lui apparaît dans cette lumière n'est autre que Saint Michel. Saint Michel est le prince de la milice céleste, l'archange qui a chassé du paradis Satan et ses anges rebelles. On l'invoque donc particulièrement pour chasser les mauvais esprits. Saint Michel est aussi considéré comme étant le gardien et le protecteur de la France. Ce sentiment a encore été renforcé dans le cœur des Français, en particulier depuis juin 1425. En effet, les Anglais ont finalement subi une cuisante défaite au Mont Saint-Michel qu'ils assiégeaient depuis presque un an. On attribue volontiers cette victoire à l'intercession de l'archange que l'on a prié d'intercéder pour aider le roi dans sa reconquête du territoire français. Charles VII a lui-même prié dans sa détresse Saint-Michel d'intercéder pour la France. En cela, il fait comme presque tous ses prédécesseurs qui ont remis la protection du royaume sous les ailes de Saint-Michel. Depuis Clovis, qui a consacré la France à sa protection après sa victoire à Tolbiac. C'est Saint Michel qui est venu le premier. À sa première apparition, j'étais jeune enfant et j'eus peur. Je le vis plusieurs fois avant de savoir que c'était Saint Michel. Je l'ai vu devant mes yeux. Il n'était pas seul, mais accompagné des anges du ciel. Je les ai vus des yeux de mon corps, aussi bien que je vous vois. Et quand il s'éloignait, je pleurais. Et j'aurais bien voulu qu'ils m'emportassent avec eux. Quand il vint à moi, Saint Michel dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient aussi et que j'agisse par leurs conseils, qu'elles étaient ordonnées pour me conduire et me conseiller sur ce que j'aurais à faire, que je crusse ce qu'elles me diraient, que c'était par le commandement de notre Seigneur. Alors qu'elle est en contemplation dans un champ, une grande lumière se produit et elle entend encore la voix. Saint Michel est accompagné par une cohorte d'anges. Quand je gardais les animaux, la voix me dit que Dieu avait grande pitié du peuple de France et qu'il fallait que je me rendisse en France. En entendant cela, je me mis à pleurer. Vas à vos couleurs. Tu y trouveras un capitaine qui te mènera sans encombre en France et au roi. Je crois aussi fermement les 10 effets de Saint Michel qui m'est apparu, que je crois que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort et passion pour nous. Et ce qui meut à le croire, c'est le bon conseil, le confort et la bonne doctrine qu'il n'a cessé de me donner. Cette voix m'a toujours bien gardée et je l'ai bien comprise. Sur toute chose, elle m'enseignait à me bien conduire, à fréquenter l'Église. Bientôt, comme l'avait annoncé Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite se joignirent à lui. Elles portaient de belles, riches et précieuses couronnes. Je sais que ce sont Sainte Catherine et Sainte Marguerite, et je les distingue bien l'une de l'autre, et ce par la manière dont elles me saluent, et aussi parce qu'elles se nomment à moi. Après leur parlement, je baise la terre où ils ont reposé. Je ne sais leur faire si grande révérence qui leur appartient. Je les ai embrassées toutes les deux. Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche sont deux saintes très vénérées au Moyen-Âge. Toutes les deux sont vierges et martyrs de l'Église. À Don Rémy, elles sont vénérées dans la paroisse où on trouve leur statue. Il est indéniable que Jeanne a eu une dévotion certaine envers ces deux saintes. Au début du mois de mai 1428, Jeanne a maintenant 16 ans. Elle doit se rendre quelque temps à Burey-le-Petit, non loin de Don Rémy, accompagnée de Durand Laxart, qu'elle appelle son oncle, mais qui est plutôt un cousin par alliance. Il l'amène auprès de son épouse, Jeanne Levauxseul. Jeanne demeure chez Durand afin d'y assister sa cousine enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. Dans la même période, la situation s'est encore dégradée. Les conflits entre les pro-bourguignons et le parti des Orléans-Armagnac se déplacent sur la châtellenie de Vaucouleurs, qui demeure avec Don Rémy, fidèle à la couronne française. Les Anglais ont lancé une offensive sur les places fortes de la Meuse intérieure. Beaumont est tombé et les autres villes se sont rendues sans combattre. Vaucouleurs, sur les bords de la Meuse, est maintenant la seule place forte à résister.
Les voix de Jeanne se font alors de plus en plus insistantes. « Jusqu'à quand tarderas-tu ? Pourquoi ne pas te hâter ? Pourquoi ne pas aller promptement à la destination que le roi du ciel t'a imposée ? Voilà qu'en ton absence, la France meurt. Les villes sont dévastées. Les bons périssent. Les grands sont mis à mort. Un sang illustre est versé. » Que faire et comment exécuter vos ordres ? J'ignore le chemin. Je ne connais ni la contrée ni le roi. L'on ne me croira pas. Je serai pour tous un objet de dérision. Et justement, quoi de plus insensé que de dire aux grands que c'est à une pucelle de relever la France, de conduire les armées, de triompher de l'ennemi ? Quoi de plus ridicule que de voir une jeune fille porter des vêtements d'homme ? Le roi du ciel l'ordonne et le veut. Ne cherche plus le comment. Car la volonté de Dieu qui s'accomplit dans le ciel s'accomplira sur la terre. Va à la ville qui n'est pas éloignée, vos couleurs. Seule, dans la champagne, elle garde la fidélité au roi. Celui qui y commande te conduira sans obstacle, où tu le demanderas. Il y aura deux périodes de refus, mais à la tierce, il t'écoutera. Jeanne, déstabilisée par son impuissance, ne se trouve aucune légitimité à guerroyer ou même convaincre des autorités, puisqu'elle n'est qu'une jeune fille de campagne de 16 ans. Mais sa confiance en Dieu est plus forte. Et prenant vaillamment son courage à deux mains, elle décide quand même de se rendre à Vaucouleurs. Elle entreprend d'abord de persuader Durand-Laxart de l'accompagner. Pour ce faire, elle lui rappelle notamment cet adage qui circule dans le royaume de France. N'a-t-on pas annoncé autrefois que la France perdue par une femme serait ensuite sauvée par une vierge ? C'est vrai, on l'a annoncé. N'a-t-on pas ajouté que cette femme serait une pucelle des marches de Lorraine ? On l'a dit, en effet. Eh bien, cette pucelle, c'est moi. Mes voix me l'ont annoncée. Durand finit par croire que Jeanne est peut-être bien la jeune fille qui doit sauver la France. Il lui fait confiance. Il sait qu'elle est une honnête jeune fille, elle qui a si charitablement aidé son épouse enceinte. Jeanne et Durand partent donc le 13 mai, afin de rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, et parviennent au bastion de Vaucouleurs. Quand je fus au châtel de Vaucouleurs, je rencontrai Robert de Baudricourt. Je ne l'avais jamais vu auparavant. La voix me dit « C'est lui ». Messire, je viens de la part de Monseigneur, afin que vous mandiez au dauphin de bien se tenir, de ne pas engager de bataille avec ses ennemis, parce que Monseigneur lui donnera secours après la mi-carême. Le royaume ne regarde pas le dauphin, mais il regarde Monseigneur. Cependant, Monseigneur veut que le dauphin devienne roi et qu'il tienne ce royaume en commande. Il sera roi malgré ses ennemis. Et moi, je le conduirai à son sacre. Qui est ton seigneur ? C'est le roi du ciel. Mais Baudricourt ne prend pas Jeanne au sérieux, pensant qu'il s'agit d'une illuminée, comme il y en a beaucoup en ces temps troublés. Et comme prévu, il refuse la demande de la jeune fille et la fait reconduire immédiatement. Durand-Laxart raccompagne donc Jeanne à Don Rémy. Elle est probablement déçue de cette rencontre, mais elle reste tout de même déterminée. Cependant, plusieurs événements vont empêcher Jeanne de retourner voir Robert de Baudricourt. Vaucouleurs est assiégé à partir du 22 juin par Antoine de Vergy, le gouverneur de Champagne, qui avec environ 2500 combattants a été envoyé par le lieutenant général des armées anglaises, le prince Jean de Lancastre, duc de Bedford. Vaucouleurs n'est donc plus accessible pour l'instant. À Don Rémy, il est possible que sa première rencontre avec le capitaine Baudricourt ou que son désir de partir fût ébruité. Et Jeanne semble peut-être laisser quelques indices sur son départ à ses amis. À l'un d'entre eux, Michel, elle aurait dit à la veille de la Saint-Jean-Baptiste « Une pucelle entre Cousset et Vaucouleurs avant un an fera sacrer le roi de France. » Ainsi, la rumeur a pu enfler jusqu'aux oreilles de ses parents, qui ont probablement pressenti qu'il se passait quelque chose. « Quand j'étais encore avec mes pères et mères, il me fut dit plusieurs fois par ma mère que mon père disait avoir rêvé que je m'en irais avec des gendarmes. Mon père et ma mère avaient grand soin de bien me garder. Moi, je leur obéissais en toutes choses. » Ma mère me disait encore avoir entendu mon père dire à mes frères « S'il arrive la chose que j'ai songé d'elle, noyez-la, et si vous ne le faites pas,
je la noierai moi-même. » Il y avait plus de 2 ans que j'avais entendu mes voix quand mon père me parla comme ceci. Les parents de Jeanne sont inquiets et sentent donc probablement qu'ils doivent surveiller Jeanne plus que d'accoutumée. Et puisqu'elle est en âge de se marier, ils ont accepté la demande en mariage d'un jeune homme de Don Rémy que Jeanne devait chastement côtoyer. Mais Jeanne refuse la demande du jeune homme et celui-ci, déçu, dépose alors plainte auprès de l'officialité de Toul. Pendant ce temps, le siège de Vaucouleurs se poursuit. Mais le capitaine Baudricourt n'est pas prêt de se rendre. La ville résiste bien avec sa garnison et ses imposantes fortifications. Mais aux alentours, les Anglo-Bourguignons continuent leurs méfaits. Les récoltes sont brûlées et beaucoup des habitants sont forcés de se rassembler à Neufchâteau, qui est la ville fortifiée la plus proche. Un jour de juillet 1428, les Bourguignons font un raid sur le secteur de Don Rémy. Ils brûlent le village et l'église. Les habitants de Don Rémy se réfugient durant 2 semaines à Neufchâteau. Jeanne et sa famille logent à l'hôtel, chez une dame appelée La Rousse. À Neufchâteau, Jeanne se confesse 2 ou 3 fois, bien qu'elle n'y reste que 5 jours. En effet, Jeanne redouble d'efforts dans sa pratique religieuse. Finalement, le siège des Anglo-Bourguignons est un échec, et Vaucouleurs obtient l'autorisation de rester libre à une condition, comme le demandent les Anglais, que Robert de Baudricourt ne tente aucune action militaire contre les ennemis de Charles VII. Cet arrangement permet au moins à Vaucouleurs de rester fidèle au dauphin. C'est probablement peu après ces événements que Jeanne a été défendre sa cause à Toul avec ses parents afin de faire annuler son mariage. Il est évident qu'elle ne pouvait s'engager dans un mariage si elle voulait accomplir sa mission. Elle devait donc d'abord régler ses problèmes procéduriers. Ainsi, après s'être recueillie à la cathédrale Saint-Étienne de Toul, Jeanne se rend aux autorités compétentes pour exposer son point de vue. Devant le juge, je jurais de dire la vérité, et finalement que je ne lui avais fait aucune promesse. La première fois que j'entendis ma voix, j'étais en l'âge de 13 ans ou environ. Je fis vœu de virginité tant qu'il plairait à Dieu. Mes voix m'avaient assuré que je gagnerais mon procès. En secret, Jeanne avait donc gardé un vœu de virginité. Elle a préféré un mariage mystique, que l'Église a d'ailleurs reconnu plus tard valide. Jeanne possédait un anneau, mais un second lui avait été offert par son père, et il est probable qu'elle le portait à l'index de sa main gauche, comme alliance de son vœu. Je ne sais pas bien s'il est d'or. Il n'est pas d'or fin. Je ne sais si c'est or ou laiton. Je pense qu'il doit avoir 3 croix et pas d'autre signe que Jésus-Maria. Jeanne aimait regarder cet anneau, qui lui donnait du courage, et lui rappelait ses parents et son alliance avec les puissances célestes. Par plaisance et par honneur pour mon père et pour ma mère, et parce qu'ayant cet anneau en ma main et en mon doigt, j'ai touché Sainte Catherine qui m'apparaît. Maintenant que Jeanne a gagné gain de cause en faisant annuler son mariage, elle peut accomplir librement sa mission divine. Tout ce qui lui importe est de respecter la volonté de Dieu que ses voix lui font connaître, et celles-ci se font alors de plus en plus pressantes et répétitives. 2 ou 3 fois par semaine, elle m'exhortait à partir pour la France. La voix me pressait toujours, mais je ne pouvais plus durer où j'étais. Elle me disait que je ferais lever le siège d'Orléans. Elle me disait d'aller trouver Robert de Baudricourt, capitaine, et qu'il me donnerait des gens pour cheminer avec moi. Car j'étais pauvre fille, ne sachant ni chevaucher ni mener guerre. Depuis le moment où j'ai appris que je devais venir en France, je pris peu part aux jeux et promenades, le moins que je pus. Par obéissance aux voix et apparitions, Jeanne décide à nouveau de quitter Don Rémy. Elle dit seulement adieu à Mangiette, l'une de ses amies. Jeanne est obéissante et soumise à l'autorité de son père et de sa mère, qu'elle aime et respecte. Mais elle préfère ne rien dire à ses parents. Puisque Dieu le commandait, si j'eusse eu sans père et mère et que j'eusse été fille de roi, encore serais-je partie. En janvier 1429, Jeanne retourne à Buret-le-Petit chez Durand-Laxart, l'époux de sa cousine. Elle demande à Durand qu'il l'accompagne de nouveau à Vaucouleurs pour rencontrer encore le capitaine Robert de Baudricourt. Il ramène alors Jeanne à Vaucouleurs une seconde fois. Sur place, elle est hébergée par Henri le Royer et sa femme,
des proches de l'un des parrains de Jeanne. Elle logea chez moi, c'était une bonne fille à ce qu'il m'a semblé. Elle filait en compagnie de ma femme, elle allait à l'église où ma femme l'accompagnait souvent. J'ai entendu Jeanne dire qu'il lui fallait aller auprès du noble dauphin, car son seigneur, le roi du ciel, voulait qu'elle y aille. Et elle était mandée par le roi du ciel. Avec Durand-Laxart, Jeanne va sans plus attendre à la rencontre du capitaine Robert de Baudricourt et lui fait encore part de sa mission. « Capitaine Messire, sachez que Dieu m'a plusieurs fois fait savoir et commandé que j'aille vers le gentil dauphin qui doit être et est le vrai roi de France, afin qu'il m'accorde des gendarmes, que je lève le siège d'Orléans et le mène sacré à Reims. » Mais Robert de Baudricourt ne croit toujours pas Jeanne. Il demeure une nouvelle fois de marbre face aux demandes de la jeune fille. Irrité, il s'adresse à Durand-Laxart. « Cette fille déraisonne. Ce que vous devez faire, c'est de la ramener à son père et lui donner de bonnes gifles. » Quand la pucelle vit que Robert ne voulait pas la faire conduire au lieu où était le dauphin, elle me tendit elle-même son manteau et me dit qu'elle voulait se retirer. Jeanne s'impatiente particulièrement de ne pouvoir partir, mais son entourage croit à sa mission. Et on décide alors de l'emmener, même sans l'aide de Robert de Baudricourt. Le temps lui durait comme une femme enceinte de ce qu'on la conduise chez le dauphin. J'ai cru à ses paroles, et avec moi, beaucoup d'autres. Si bien que Jacques Alain et Durand-Laxart voulurent la conduire. Ils la conduisirent jusqu'à Saint-Nicolas. Il s'agit ici probablement de l'ermitage de Saint-Nicolas de Sept-Fonds, proche de Vaucouleurs, mais qui n'existe plus maintenant. Le crucifix en bois de cet ermitage est cependant toujours conservé. D'après la tradition, après s'être recueillie devant ce crucifix durant un certain moment, Jeanne se ravise. Ce n'est pas ainsi qu'il convient que nous partions. Retournons à Vaucouleurs. En effet, elle sait qu'elle doit être patiente, car la voix lui a bien dit que Baudricourt refuserait par deux fois et qu'à la troisième fois seulement, il accepterait de l'aider. Elle a donc malgré tout bon espoir. De retour à Vaucouleurs, Jeanne prend son mal en patience en allant fréquemment dans une petite chapelle du château où elle trouve du réconfort en priant devant une statue de la Vierge de Notre-Dame des Voûtes. J'ai vu souvent Jeanne la Pucelle venir à cette église très pieusement. Elle y entendait la messe du matin et restait longtemps à prier. Je l'ai vue sous la voûte de cette église se tenir agenouillée devant la Sainte Vierge, tantôt le visage baissé, tantôt le visage droit. Pendant ce temps, la réputation de la Pucelle s'accroît et tout le monde n'est pas insensible à sa requête. Certains se sont en effet intéressés aux dires de la jeune fille, notamment un certain Jean de Metz. Jean de Metz est un noble français, homme d'armes auprès de Baudricourt. Il a rencontré Jeanne et semble intéressé par ses étonnantes affirmations. Mon ami, que faites-vous ici? Ne faut-il pas que le roi soit chassé de son royaume et que nous devenions anglais? Je suis venu ici pour parler à Robert de Baudricourt afin qu'il veuille me conduire ou faire conduire vers le vrai roi, même si je devais m'user les jambes jusqu'aux genoux. Car nul au monde, ni roi, ni duc, ni fille de roi d'Écosse, ni autre ne peuvent recouvrer le royaume de France. Il n'est de secours que de moi. Pourtant, j'aimerais mieux filer auprès de ma pauvre mère, car ce n'est pas mon état. Mais il faut que je parte et que je fasse cela, parce que mon Seigneur le veut. Quel est ce Seigneur? Mais c'est Dieu. Je vous donne ma foi que Dieu aidant, je vous conduirai au roi. Quand voulez-vous partir? Aujourd'hui plutôt que demain. Demain plutôt qu'après. Entre-temps, la réputation d'une jeune pucelle prophétesse ayant pour mission divine de faire couronner le roi à Reims s'est rapidement répandue à Vaucouleurs et aux alentours. Si bien qu'une partie de la population croit Jeanne. La rumeur est même arrivée jusqu'aux oreilles de Charles II, le duc de Lorraine. Celui-ci souhaite la rencontrer à Nancy. En effet, il est malade et il espère que Jeanne, en plus de prophétiser, a également un charisme de guérison et qu'elle pourrait ainsi le guérir miraculeusement par ses prières. Au début du mois de février, Jeanne se rend alors auprès du duc à Nancy. Je lui ai demandé si elle voulait s'en aller avec ses vêtements. Elle me répondit qu'elle préférerait avoir des vêtements d'homme. Alors, je lui ai donné vêtements et choses de mes serviteurs pour qu'elle puisse les revêtir. Et cela fait,
des habitants de Vaucouleurs lui ont fait faire des vêtements d'homme et des chaussures et tout ce qui lui était nécessaire. Et ils lui remirent un cheval qui coûtait 16 francs environ. Lorsqu'elle fut habillée et qu'elle eut un cheval, la pucelle alla parler à ce seigneur et je suis allé avec elle jusqu'en la cité de Toul. Je la conduisis à Saint-Nicolas et lorsqu'elle y fut, elle alla avec un sauf-conduit du seigneur Charles, duc de Lorraine, et quand le seigneur la vit, il parla avec elle et lui donna 4 francs. Selon la tradition, Jeanne se rend d'abord vraisemblablement jusqu'à Saint-Nicolas-de-Port, tout proche de Nancy, où se trouve un sanctuaire très fréquenté, car il s'y trouve les reliques de Saint-Nicolas. Il n'est pas étonnant qu'elle soit passée par ce lieu de pèlerinage très important à l'époque. Elle peut ainsi se recueillir un moment devant les reliques avant d'aller rencontrer le duc à Nancy. Jeanne, en priant, espère toujours sans doute qu'elle obtiendra du duc quelque soutien. Mais lui était visiblement moins intéressé par la mission de Jeanne que par ses problèmes de santé. Le duc de Lorraine demanda que je fusse conduite à lui. J'allai vers lui avec un sauf-conduit et je lui dis que je voulais aller en France, qu'il me donne son fils et des gens pour me conduire en France. Mais le duc m'interrogea sur le rétablissement de sa santé et je lui dis que de cela je ne savais rien. Jeanne a également fait part au duc que s'il voulait guérir, il devait changer de comportement. Car Dieu ne le guérirait pas s'il ne se repentait pas de son péché d'adultère et s'il continuait à vivre en cet état. Il est en effet connu dans toute la région qu'il a délaissé depuis un certain temps sa pieuse et véritable épouse, Marguerite Bavière, que Jeanne appelle sa bonne épouse, lui préférant la compagnie d'une femme plus jeune qui n'est pas la sienne, Alison Dumay, dont il a eu 5 enfants. Ceci n'a pas échappé à Jeanne, qui y voit sans aucun doute possible une entrave à sa guérison. Je lui ai assez peu parlé de mon voyage, mais j'ai dit que je prierais Dieu pour sa santé. Et je revins ensuite à la ville de Vaucouleurs. À son retour à Vaucouleurs, le 13 février, premier dimanche de carême, l'ambiance a encore évolué en faveur de Jeanne. Les habitants sont majoritairement persuadés qu'elle est probablement la pucelle qui doit sauver le royaume de France. Un autre personnage s'intéresse aussi à Jeanne, Bertrand de Poulengy, seigneur de Gondrecourt, et écuyer de la maison du roi de France. Il connaît bien la région et ses habitants, et notamment les parents de Jeanne, pour les avoir rencontrés quelques fois chez eux. Il est même allé au Bois Chenu durant 12 ans. Il était présent dès la première entrevue de Jeanne avec Robert de Baudricourt, et lorsqu'il a entendu parler Jeanne de sa mission divine, il est conquis par elle, et souhaite maintenant se joindre à Jean de Metz pour l'aider dans sa mission. Robert de Baudricourt a également changé d'avis, sans doute au regard du soutien que Jeanne suscite. Entre-temps, il a notamment été convaincu de laisser partir la pucelle à Chinon par Jean Collet de Vienne. Celui-ci n'est autre que le chevaucheur du roi de France, régulièrement envoyé auprès du capitaine. Baudricourt est aussi probablement ébranlé par la liesse qui s'empare peu à peu d'une partie de la population et par la ténacité de Jeanne. Comme elle l'avait prévu par ses voix, Baudricourt décide donc finalement de l'aider après une troisième rencontre. Je dis alors au capitaine qu'il fallait que je vinsse en France. Deux fois, il m'avait repoussé et rejeté, mais la troisième fois, il me reçut et me donna des hommes. La voix m'avait dit que cela serait ainsi. Ceci dit, Baudricourt demeure méfiant quant à ses voix, si bien qu'il demande à faire exorciser Jeanne, afin de savoir si les voix viennent bien de Dieu et non du démon. Il est en effet connu dans l'Église depuis ses origines que les personnes très pieuses et saintes peuvent entendre des voix ou être témoins d'apparitions célestes. Par contre, on sait aussi depuis toujours que les mauvais esprits peuvent tromper en se faisant passer pour de bons. De toute évidence, Baudricourt croit que Jeanne entend des voix. Mais il fait donc son devoir pour savoir si ces voix sont bien du ciel ou si Jeanne est sous l'influence d'esprits démoniaques. C'est avec l'intervention de l'Église qu'il faut donc débusquer les mauvais esprits qui se cachent. Jeanne est alors entendue par un prêtre qui vient lui rendre visite chez les Leroyer. J'ai vu entrer Robert de Baudricourt et messire Jean Fournier dans ma maison. J'ai entendu dire à Jeanne que celui-ci, prêtre, avait apporté une étole et qu'il l'avait conjurée devant le capitaine, disant que s'il y avait mauvaise chose en elle, qu'elle s'éloigne d'eux, et s'il y avait bonne chose, qu'elle vienne auprès d'eux. Et Jeanne s'approcha de ce maître et se mit à genoux. Jeanne disait que ce prêtre n'avait pas bien fait puisqu'il l'avait entendu en confession.
Comme il n'y a aucune manifestation diabolique, Baudricourt est maintenant absolument certain que Jeanne n'est pas influencée par le démon. Il accepte donc définitivement qu'elle soit accompagnée par certains de ses hommes et lui fournit du matériel. Les habitants enthousiastes de Vaucouleurs fournissent aussi le nécessaire à Jeanne. Les habitants de la ville lui achetèrent des vêtements d'homme, des chausses, des houseaux et tout ce qui lui était nécessaire. Et cela fait, Jean de Metz, Bertrand de Poulangy, Collet de Vienne et Richard Larcher, avec les deux valets de Jean de Metz et de Bertrand, conduisirent Jeanne au lieu où était le dauphin. J'étais en habit d'homme, tenant en main une épée que m'avait donnée Robert de Baudricourt et sans autres armes, avec un chevalier, un écuyer et quatre serviteurs. Robert de Baudricourt fit jurer par ceux qui m'escortaient qu'il me conduirait bien et sûrement. Et Robert me dit lorsque je m'éloignais, « Va, va, et qu'il arrive ce qu'il pourra advenir !»